cette saison de Stel TV, une émission locale et originale dans les collèges de Genève. Je suis en compagnie d'Alizée. Et voici Achadaï. Déjà un semestre de passé, des semestriels plus ou moins réussis, des abandons, des pleurs, des rires, bref, le collège. Bravo aux 3e et 4e d'avoir survécu jusque-là. Les 1ères et les 2e, vous en êtes encore à Pythagore. Aujourd'hui, 2e épisode de Stel TV qui résume la vie au collège depuis le dernier épisode. Au sommaire, portrait d'un président pas comme les autres. Retour sur le premier match d'impro du premier tournoi d'impro intercollège. Portrait d'un professeur pas comme les autres. Retour sur Flocon Stel, la tombola organisée par l'AES. Et le meilleur pour la fin, les meilleurs plans de l'escalade 2017. On a voté pour lui, François Brun, ou devrais-je dire président Brun. Nous livre aujourd'hui les secrets de sa réussite. Voici en exclusivité le reportage. Bonsoir, je suis la femme de François Brun. Collège et collectivité. Je m'appelle François Brun et suis élève de 4e année au Collège et École de Culture Générale Madame de Stel. Je suis représentant des élèves de 4e année et suis le président de l'Assemblée des élèves de Stel. Alors, qu'est-ce que l'Assemblée des élèves de Stel? Alors, l'Assemblée des élèves de Stel, c'est l'Assemblée qui réunit les élèves de toutes les années des deux filières, donc du Collège et de l'École de Culture Générale Madame de Stel. Et elles permettent de définir qu'est-ce que l'AES va pouvoir faire, donc qu'est-ce que les délégués vont devoir faire pour les élèves. Si jamais pour l'information, aujourd'hui on a voté à l'AES, ouais. Qu'un des prix de la tombola, c'est un date avec François Brun. On relatait des problématiques de l'établissement, des idées pour améliorer l'établissement, et grâce à tout cela, permettre à De Stel d'aller vers une meilleure destinée. Allez François, on va aller vendre des gâteaux. Président de la haute, c'est pour ça que vous ne vous voulez pas là. Mais non. Qu'est-ce que ça fait que d'être marié à un président? Une petite prédiction pour le score pour ce soir, monsieur? Évidemment, tous les points pour De Stel. Je suis désolé, je ne peux pas être impartial, je suis président de la. Ton opinion de François Brun? Beau gosse. Beau gosse. Ton opinion de François Brun, Diego? Franchement, est-ce que j'ai une opinion à donner de François Brun? Votre opinion de François Brun? C'est un excellent président de l'AES. Les élèves ne pourraient pas être mieux représentés que par François Brun. Votez François Brun. Votez bien, votez Brun. Action. Je m'appelle... Action. Je m'appelle François Brun. Non, refais. Je dis action, tu comptes 3 et ensuite tu commences. Et 3. Action. Attention. Oh, juste un truc. Croisé, pas croisé, comment? Pas croisé. Comme ça, naturel. Je sais pas. Si tu. Non mais non, arrête, non, mais je vais commencer une guerre. Bon. Et... Attends. Vive la bière. Merci à Président Brun de nous avoir accordé de son temps, malgré son planning de ministre. Le 17 novembre au soir, tournoi d'impro intercollège, premier match de Stel contre Rousseau. Voici les meilleurs plans. Mais avant, une petite page de pub. Je m'appelle Steve. J'ai volé ma première voiture à 8 ans. Je vendais de la drogue à 9 ans. À 11 ans, je suis allé en taule. Ma vie était un calvaire. J'avais foiré mes fois 1000. J'étais un délinquant. Mes parents me haïssaient. Je prostituais mon chat. J'avais envie d'en finir. J'avais de mauvaises fréquentations. Ma vie n'en était pas une. C'est plus possible de continuer comme ça avec ma vie. J'ai essayé beaucoup de choses. L'acupuncture, l'art contemporain.
le véganisme. Rien n'a marché. J'avais besoin de changement dans ma vie. Puis il est entré dans ma vie. Le pull de Stealth. Il a bouleversé mon quotidien. Grâce à lui, je suis beaucoup plus en confiance. J'ai arrêté la drogue. J'ai arrêté de voler des voitures. Mon chat est mort. J'ai acheté un chien. J'ai un travail. Il est tellement confortable. J'ai eu 3 femmes avec mon enfant. J'étais beaucoup plus en confiance. Avec sa douceur. La force qu'il me donne. Chers de Stéliens, chers de Stéliennes, vous avez pu donc vous rendre compte qu'un match d'impro a opposé le collège Rousseau et le collège de Stel dans l'aula de ce dernier. Et certains étaient, ma foi, plutôt très chauds. De Stel ! De Stel ! De Stel ! De Stel ! Le public présent a eu le droit à de magnifiques improvisations professionnelles. Madame, j'ai oublié ma calculatrice, parce que je croyais qu'on était en cours de philo, en fait, parce que je ne peux pas le répéter, parce que pas tout le monde a compris ici. Sauf qu'à un moment, ça a dérapé. Malgré l'ambiance chaotique sur laquelle s'est terminé ce magnifique match d'improvisation, nous avons eu le droit à une interview exclusive d'une des joueuses de De Stel, Faustine. Tu as quelque chose à dire, il me semble, à cette magnifique caméra. Ouais, j'adore ta touffe. Allez, on se met en ligne, tout le monde en ligne. Vous voyez à quel point vous venez aider les élèves de De Stel, regardez comment ils finissent. Hey, UNICEF, Mermaid, tout ça, n'importe qui, venez nous aider, parce que ça va plus. Fais-moi une interview. Ouais, venez une interview. Allez, petite interview les gars. Bon alors, comment se passe votre soirée? Alors écoute, pour le moment, très bonne soirée, on est à l'apéro, on regarde le match d'impro, c'est très intéressant, c'est très drôle. Je vais bien repartir où on m'embrasse, hein, pour montrer à tout le peuple de De Stel que je suis célèbre, tu vois. Nous avons eu également le droit à des analyses percutantes et professionnelles. Pardon ? Ton impro préféré, c'est quoi ? C'était la dernière, les phrases au bol. Il s'est passé quoi ? Plein de choses drôles. On aura bien ri. Il nous a donné une interview pas comme les autres. Un portrait sous la forme d'un rabbi des curieux, c'est aujourd'hui Monsieur Chaparonien que nous dessinerons. Et voici les images. Ouh ! Alors si les enseignants ne regardent pas ça, je peux demander qu'ils ne regardent pas cette émission. Je nage. Oh, biologie. Risotto. Écrire. Ouh. Hétérographe. Mendel.
Ouh, français quand même. Collège. L'œuf, on peut passer pour un végétarien. Physique. House. Poutine comme le plat. Alors poutine. Enseignement. Thé. Meilleuse, c'est plus fun. Beurre alors. Ouh, ça résume ce que vous avez déjà demandé alors de style. Michael. Je crains que ce soit chaque fille. Allez, 2VV, hein, parce que we date back. On a commencé il y a très longtemps ensemble. 2VV. TM, non, TM. The style. Amen. Qui a dit que l'AES était inutile? Sa première tombola, Flo Constel, a fait gagner des cadeaux à beaucoup trop de quatrièmes. Mais c'était vraiment le hasard. Voici un retour en image sur cette pause de 15 minutes pendant laquelle nos présidents et vice-présidents se sont époumonés. Pour rien. En décembre, l'AES te ferait des cadeaux avec Flocon Stem, une tombola organisée par les élèves pour les élèves. On dénombre plus de 200 participants à cet événement qui est un véritable succès. Retour sur l'événement en images. Il y avait une organisatrice survoltée. Des moments de flottement. Un mec à qui ça fait vraiment plaisir. Non, ça me fait vraiment plaisir. Merci à l'AES. Mais surtout, le pire speaker de tous les temps. Pour l'occasion, notre cher président s'est mis sur son 31. Regardez-moi cet homme. On a vu une Ariane qui s'emporte. Les prix à gagner étaient un pull de Stell, un Polaroid, un bon pour la cafétéria, ainsi qu'une boombox. À quand la prochaine édition de Flocon Stell? C'est tout Hollywood qui se promenait dans les couloirs, un verre de jus de raisin chaud à la main. Highlight de cette journée plutôt patriotique, au travers de nos caméras. Et bienvenue au zoo, pétolette, et bon visionnage! She like, what kind of drugs you on? Nut. I'm just a guy who likes to have fun. And you seem like you wanna have nut. So I'm done. Boop, talking to your ass, let me call another bitch up. Tell me about the crash, almost ran into a pickup. Yeah, I read your hand, that's a motherfucking sticker. I dare you to move. À ton avis, est-ce qu'il y a eu consommation d'alcool aujourd'hui? Non.
Non, mais non, pourquoi? Ok, genre, j'ai foutu mon truc à l'envers, mais c'est le café. Il y a eu beaucoup trop de consommation de café. Attends. C'est quoi votre objet? Ouais, man. Vous êtes bien entraîné? Ouais, man. Vous avez fumé un peu avant l'interview ou pas? Ouais, man. C'est le café. Vous avez hâte de l'escalade? Ouais, man. Bonsoir, bienvenue sur Dostel TV, on a une question pour vous. Oui, très bien. Sur quel continent se trouve le Tongo du Nord? Mars. Jupiter. J'ai pas compris. C'était quoi? C'est le café. Ouais. Si vous deviez prendre deux profs sur une île déserte avec vous, ce serait qui et pourquoi? Deux profs? Ouais. Ah, Monsieur Dieng. Monsieur Dieng. Monsieur Dieng, il va faire de la bonne cuisine. Chef étoilé, j'ai la recette. Forfait Ayman, direct. Ah, Ayman aussi, je la prendrais. Et Favre, Freuler, moi je prends. Et Freuler. Oh non, Caspar en fait. Monsieur Caspar, mon amour. Moi, Forestier, c'est mon amour. Forestier? Ouais. Freuler, je crois qu'il est marrant, je trouve. Ah, d'accord, merci beaucoup. Avec Ayman et Freuler. Je connais pas le nom de mes profs. Didier Brandt. Didier Brandt, parce que je suis sûr qu'il est capable de sortir de l'île. Ouais. Monsieur Brandt. Brandt, ok. Merci d'avoir été avec nous pour ce bel épisode. Bisous de ma part. Et de la mienne, et du reste de l'équipe de Stel TV. À plus dans le bus.